Bonjour à vous les amateurs d'albums Panini et de foot, vous êtes sur Super Heroic Company. Et souvenez-vous les amis, il y a quelques semaines de ça, je vous ai fait une série de vidéos sur l'album Panini Foot 2021 sur la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 1 française de foot. Et on a fait déjà quelques beaux petits déballades d'ouverture de pochettes Panini. Vous le voyez, là on a quelques clubs qui commencent à se remplir, mais on a encore énormément de blanc sur le poster également d'ailleurs. Et nous avions quelques boîtes que nous avions ouvertes, notamment également ces deux magnifiques blisters complets qui contiennent chacun 100 pochettes. Vous voyez, la pièce vaut quand même 80 euros, donc là on en a pour 160 euros de pochette. Là on en a ouvert juste une ou deux, regardez ce que ça donne quand même quand on ouvre le truc. C'est qu'on a réellement énormément, mais vraiment, et un max de pochettes à ouvrir. Alors, pour l'heure, les amis, voilà, je vais vider le blister. Toutes les pochettes, elles sont là, voilà, elles sont réparties sur le bureau. Ce que nous allons essayer de faire, les gars, étant donné que l'album n'est pas complet et que maintenant la saison Ligue 1 est terminée à l'heure où je fais cette vidéo, je félicite d'ailleurs Lille d'être les grands vainqueurs cette année du championnat juste devant le PSG. Super l'exploit, bravo à vous. Ce qu'on va faire, nous allons ouvrir toutes ces pochettes qui faisaient partie de ce premier blister et on va vérifier, on va regarder si avec ce blister là, nous arrivons à compléter l'album. Le but, c'est de savoir si avec un blister de 100 pochettes, on arrive à rassembler un album complet. Alors, vous êtes prêts les amis? On va se lancer le challenge? Allez, let's go. Bon, et cette fois-ci les gars, on va un peu changer les règles du jeu. Je ne vais pas vous ouvrir une pochette, une à une, et vous montrer le contenu. Ça prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps. Vous le voyez, regardez, j'ai tout étalé sur le bureau. On est quasiment à une centaine de pochettes. Je crois qu'il y en a 98 ou 97, puisque je n'en ai ouvert que deux dans la vidéo précédente. Ça prendrait trop de temps. Donc là, on va tout ouvrir en masse. On y va, à la chaîne. Et je m'amuserai à coller toutes les vignettes dans l'album. Et à la fin, je vous dirai si j'ai réussi mon défi, à savoir remplir mon album 2021 ou s'il me manque toujours encore des vignettes. Vous êtes prêts? On y va? Eh bien, let's go, c'est parti. Et on y va, j'en prends carrément plusieurs, comme ça, ça va aller encore plus vite. On les ouvre 4 par 4. Si j'y arrive, forcément, c'est... c'est plus difficile de les ouvrir 4 par 4. Hop. On y va. Waouh, ça y est les gars, on y arrive. La toute dernière pochette. Ça m'a pris de longues minutes à ouvrir chacune de ces 98 ou 97 pochettes. Voici donc ce que ça donne en termes de vignettes, un display complet. Eh bien, les amis, on a près de 500 vignettes à classer et à coller. C'est tout ça, c'est absolument impressionnant. Vais-je réussir à compléter cet album ou pas? Eh bien, la réponse d'ici un petit moment, car là, eh bien, je vais faire une petite pause et m'amuser tranquillement à coller toutes ces vignettes. J'en profite également pour vous dire, bah, forcément, vous le savez, que l'Euro 2021 va commencer incessamment sous peu, dans quelques jours. Là, pareil, il y a des albums qui sont sortis. Si vous souhaitez que je vous présente l'album de l'Euro Panini, eh bien, mettez-le moi dans les commentaires et je ferai mon possible pour vous le présenter. Bon, et ben maintenant, je vous laisse et je vous retrouve dans quelques minutes pour le verdict. Vais-je avoir l'album complet ou pas? On le saura d'ici quelques minutes. À tout de suite. Voilà, ça y est, on y est, il n'y a plus aucune vignette. Tout est collé dans cet album. Ça m'a pris des heures. C'était franchement extrêmement long. Alors des doublons, forcément, j'en ai eu. J'en ai eu même beaucoup. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le challenge est rempli? Est-ce que l'album est complet en utilisant le display qui est ici, plus toutes les autres vignettes que vous avez vues dans les précédentes vidéos? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble en feuilletant l'album. C'est parti. Et déjà la première page, nous avons la réponse. Vous le voyez, il me manque la vignette numéro 1, cette vignette sur laquelle nous avons la coupe.
On a ici la coupe de la Ligue 2, mais voilà, malheureusement, je n'ai pas réussi à compléter l'album malgré un display qui contenait 100 pochettes et 500 vignettes. Mais, j'ai quand même très très bien avancé. On va quand même voir, on va le parcourir et voir ensemble ce qui nous manque. Donc déjà là, sur les Lyonnaises, vous le voyez, la double page est complète. Angers, eh bien là, il m'en manque vraiment pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi, il me manque celle-ci et celle-là. Bordeaux, là j'en ai également pas mal qui manque. Là aussi. Là encore plus, sur le stade brestois. Là par contre, sur Dijon, eh bien je suis assez content, je suis assez complet, puisqu'il ne manque que deux vignettes pour avoir l'équipe au total. Là, bah, la page elle est complète, ça c'est cool. Lens, il m'en manque 3. Là pareil, ça manque. Le LOSC, ça doit être l'équipe en fait où j'ai le moins de vignettes. C'était les vignettes les plus rares et c'est l'équipe qui a gagné cette année, donc c'est dommage. Là, ça manque aussi. Lorient, là, eh bien, pareil, il n'en manque que 2 pour avoir toute l'équipe. J'y étais presque. Là aussi, ça manque. L'OL, nous en avons 4 qui manquent. L'OM, eh bien, pareil, 4 qui manquent. Là aussi, c'est pas complet. Le FC Metz, eh bien, on en a 3. On y était presque. Cette page-ci est complète. Monaco, il en manque 4, 5. Celle-ci, par contre, est complète. Ensuite, nous avons Montpellier. Là aussi, il en manque plutôt pas mal. Là aussi, j'ai quelques vignettes qui manquent. Le FC Nantes, idem. Nice, j'ai également pas mal de trous encore. Le Nîmes Olympique, pareil. Décidément, hein, c'est ouf. Sur le poster, je vais vous le montrer rapidement. Là, sur le poster, j'ai plutôt bien avancé car il est quasiment complet. Il ne me manque plus qu'une seule vignette, c'est la 17 pour avoir le poster au complet. Quant au PSG, eh bien, vous le voyez, là, pareil, le PSG, je ne l'ai pas au complet. Cette page-ci non plus. Le stade de Reims, eh bien là, il m'en manque que 2 ici. Là, la page, il en manque une. Le stade Rennais, eh bien, il y en a 3. Généralement, c'est 3 hein, qui manquent. Ça, c'est pas complet. Saint-Étienne, c'est pas complet. Décidément, il en manque encore beaucoup. Mon équipe fétiche, le RCS de Strasbourg. Eh bien là, tac, 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 4 qui manquent. Là, c'est pas complet. Pour la Ligue 2, j'ai quand même complété quelques pages. Là, j'en ai 2 qui manquent. Là aussi, là aussi. Là, c'est complet. Là, j'en ai 4 qui manquent. Là, il y a des trous encore partout. Là aussi, là, c'est complet. Et l'album est terminé. Donc, vous le voyez, les amis, malgré le fait d'avoir ouvert un display complet plus toutes les autres pochettes que j'ai eues avant, donc je dois être à plus de 700 vignettes, voire même un peu plus, je n'ai toujours pas réussi à compléter cet album, sachant que un display coûte 80€ plus les autres, ça a dû faire un investissement de plus de 100€ pour ne pas encore avoir l'album au complet. Maintenant, vous allez me dire, j'ai encore un display complet ici avec 100 autres pochettes. Mais est-ce que je vais avoir le courage de l'ouvrir pour compléter cet album? Et surtout, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Là, je me pose la question car j'ai quand même encore énormément de trous et je risque d'avoir plus de doublons que de vignettes que je recherche. Et voilà les amis, c'était simplement une petite vidéo pour clore le chapitre du foot 2021 avant de peut-être commencer le chapitre de l'Euro 2021 si ça vous convient et si vous mettez plein de commentaires juste en bas dans la vidéo. C'était juste pour vous montrer que malheureusement, je n'ai pas réussi cette fois-ci à compléter l'album. Des fois ça m'arrive, et ben là, ça n'a pas marché. En tout cas, si vous avez réussi à le compléter, eh bien vous me le dites juste là en bas dans les commentaires. Vous n'oubliez pas les pouces bleus. Et moi, je vous retrouve très très prochainement pour de prochaines vidéos sur Super Héros et Compagnie. Des vidéos de Panini, si vous aimez toujours autant ça. À très très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.